Eh bien bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le tout nouveau jeu de l'heure Détroit. Alors on sait, ça fait le buzz un peu partout sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu ou qui aimeraient en connaître un peu plus avant de l'acheter, eh bien je vais vous dire un peu ce qu'il y en est. Pour faire court, pour ne pas vous gâcher la surprise, Détroit est un jeu interactif dans lequel chacun de vos choix est important. Un seul choix peut embrasser une succession d'événements. Pour ceux qui ont apprécié jouer à Heavy Rain, Beyond Two Souls ou bien Until Dawn, eh bien ce jeu risque de vous intéresser. L'univers de Détroit se déroule en 2038. Les robots ont fait leur apparition depuis un moment dans la société. On les appelle les androïdes. Comme on s'en doute, ça ne fait pas le bonheur de tous, puisque les androïdes peuvent désormais remplacer l'humain. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! De plus, il est possible de les acheter et de s'en servir un peu comme des esclaves. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Détroit est une exclusivité PS4. Comme à l'habitude, les graphismes sont à couper le souffle et l'histoire est très prenante. Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Le gameplay est facile de prise en main. On aurait tout de suite envie de lui donner 10 sur 10. Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. En gros, si vous aimez la science-fiction et le drame, courez l'acheter. J'espère que vous aurez apprécié ma courte critique. J'irai tout de m'y plonger. Bon jeu.